Vous savez, malheureusement, parfois, la nature humaine, elle fait qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. À se focaliser sur ce qui nous manque. Oui, si Dieu veut, dès que je trouverai quelqu'un, dès que je trouverai mon Mazal, dès que je me marierai, je serai au top. Ouais, si Dieu veut, dès que j'aurai un enfant, je serai la femme la plus heureuse du monde. Ouais, dès que j'aurai ma Rolex, dès que j'aurai ma Tesla, quand j'aurai fini de payer mon crédit, quand j'aurai remboursé mes dettes, quand j'aurai perdu 10 kilos, là je pourrai sourire à la terre entière, là je serai au top, là je serai bien, là je serai comblé. Mes amis, un juif, c'est pas ça. Un juif, c'est pas ça. Un juif, il n'attend pas que tout aille bien dans sa vie pour être heureux. Il n'attend pas que ses problèmes disparaissent pour sourire à la vie. C'est pas ça, un juif. David Ameler, il nous dit dans Tehilim, David Ameler, en une phrase, il nous dit c'est quoi le secret du bonheur. En une phrase. Mi Aish Achafetz Chaim. Qui est l'homme qui veut kiffer sa vie? Comme ça, il demande le roi d'Israël. Qui est l'homme qui veut vivre pleinement sa vie, qui veut nager dans le bonheur? Réponse, écoutez bien, réponse absolue de David Ameler, il n'y a pas une autre réponse. Ohev Yamim Lirot Tov. Ne regarde pas ce qui ne va pas dans ta vie, mais regarde plutôt les choses qui vont bien dans ta vie. C'est ça, mes amis, la grandeur d'un juif. Les affaires, ça ne va pas du tout en ce moment, c'est la cata. Mais j'ai une femme qui m'attend à la maison. Et si en plus de ça, j'ai des enfants qui m'attendent à la maison, mais je suis multimilliardaire en fait. Et si en plus de ça, tout le monde est en bonne santé, mais je peux même pas décrire ma richesse. Mes amis, c'est ça notre travail à nous tous. Ne pas attendre que ça aille mieux pour sourire. Maintenant, là, tout de suite, là, maintenant je décide d'être heureux. Comment je fais? Les rotov. Je regarde les choses qui vont bien dans ma vie, parce qu'il y en a forcément des choses qui vont bien dans notre vie. Et mes amis, quand Hachem, il verra qu'on arrive à sourire, même quand on a des problèmes, on a des galères et ça va pas, nous dit Rabbi Nachman Breslev, t'arrives à sourire quand ça va pas, t'arrives à te concentrer sur les choses qui vont bien dans ta vie. Maintenant, Hachem, il va te donner des vraies raisons de sourire. À bientôt.